Aujourd'hui, nous sommes tous invités à aller au Mexique avec la bande pour célébrer un jour très spécial. Día de los Muertos. Le jour des morts. Oui, c'est un jour pour la fête et pour la mémoire. On prépare de belles ofrendas. Et Donald est très impatient de revoir ses amis mexicains. Mais Daisy est un peu triste quand elle repense à sa grand-mère. Je n'en crois pas mes mirettes. Mexico est vraiment une ville très colorée et très enthousiasmante. Oh, regardez, des affiches de Donald, Panchito et leur ami José. Donald, tu es drôlement célèbre par ici. Oui, là c'est doux. C'est toi qui m'a la bourse. Mais c'est toi qui m'a la bourse. C'est Panchito. Hola, Donald. Jouez-nous la chanson du Día de los Muertos. Quand nos proches nous manquent, nous sentons la tristesse nous envahir. Mais nous avons une journée pour célébrer les bons souvenirs. El Día de los Muertos, quelle journée! C'est le moyen parfait de les garder dans nos cœurs. Alors, pourquoi est-ce que leurs visages sont peints? Ce maquillage est porté traditionnellement pour El Día de los Muertos. Et il se trouve justement que je connais un maquilleur très talentueux qui pourrait faire vos cavalières, vos maquillages de crâne, si vous voulez. Oh oui! J'en veux un aussi. Moi aussi. D'accord, alors suivez-moi au stand de maquillage. Oh, allons-y. Chouette, chouette alors. Vous êtes tous fantasticos. Wow. Fantastique, tu as raison! Panchito, tu as des talents de maquilleur exceptionnels! On fait un peu peur et on est rigolo! C'est pour ça qu'on porte ce maquillage au Día de los Muertos? Si on veut, Dingo, la cavalera est une façon de se rapprocher un peu de ceux qui nous ont quittés. Qui nous ont quittés? Tu veux dire qui sont morts? Oh, c'est triste! Peut-être que je n'aurais pas dû venir après tout. Ça me rappelle une fois de plus que ma grand-cade Dolores n'est plus là. Oh, mais Daisy! Pourtant, tu t'amusais beaucoup jusqu'ici. Il y aurait une façon de te remonter le moral. Oh, je ne suis pas sûre d'un... Oh là là! Regarde ça! Hola, amigos! Vous aimez mon nouveau style? Le papier mâché me rend vraiment muy guapo! C'est vrai, Funny. Tu as l'air prêt à faire la fête. Fantastique! Panchito, j'ai failli oublier de te demander. Pourquoi est-ce qu'on fabrique de grands mannequins comme moi pour le jour des morts? Parce que c'est amusant. C'est important de célébrer cette fête si particulière en s'amusant le plus possible. Hey! S'amuser, c'est ce que je préfère au monde. Je trouve que cette fête est vraiment de mieux en mieux. Oh! Voici l'offrenda. C'est ici qu'on célèbre les souvenirs merveilleux qu'on partage avec nos chers disparus pour qu'ils fassent toujours partie de nos vies. Oh non! Est-ce que ça va, Daisy? Oh, je sais pas trop. Quand je pense à poser la photo de ma grand-cane Dolores sur l'offrenda, ça me rend un peu triste. Oh, elle me manque tellement! J'aimerais qu'elle soit là pour faire la fête avec moi. Daisy, je comprends très bien. Mon abuelita me manque beaucoup, à moi aussi. Quand j'étais petit, elle me chantait la chanson du Día de los Muertos. Et parfois, quand je la joue à mon tour, elle me manque encore davantage. Mais je continue de la jouer pour me rappeler tous les souvenirs amusants que nous avons partagés. Ton abuelita avait l'air très drôle. Ma grand-cane Dolores était très drôle aussi. Elle m'a offert Quaquidou et on jouait ensemble toute la journée. C'était une époque formidable. Si, et c'est exactement l'essence du Día de los Muertos. Se souvenir de nos amis et de nos parents qui ont disparu. Et de la joie qu'ils ont apportée dans nos vies. Qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est aussi très important de savoir profiter des souvenirs que l'on se fabrique avec les amis et la famille qui sont parmi nous. Tu es prête à te faire de nouveaux souvenirs? Oh oui, je suis prête. Se souvenir des bons moments passés avec nos proches peut parfois nous rendre tristes. Tu me manques beaucoup, Grand Can. Mais si tu as une journée spéciale pour t'amuser et faire la fête avec ta famille et tes amis... Cette fête est vraiment un moment très spécial. Je suis si heureuse de l'avoir célébrée avec d'aussi bons amis. Alors tu peux créer de nouveaux et merveilleux souvenirs dont tu te souviendras toute ta vie. Abonne-toi pour découvrir plus de vidéos et rendez-vous sur Disney Junior pour regarder tes émissions préférées.